T'as un projet ? Un projet ? Comment ça, un projet ? Qu'est-ce que tu comptes faire de tout cet entraînement que tu te sens obligé de faire ? Tu comptes en faire quoi ? Je vais boxer et ensuite récupérer ma fille. Et ensuite revenir dans ce bar. Qu'est-ce que tu dis ? Qu'est-ce qui t'a poussé à venir ici ? Pourquoi toi ? Pourquoi t'arrives pas à vivre tes rêves ? Pourquoi t'arrives plus à croire en toi ? Pourquoi quand t'essayes juste de vivre ta vie sans rien demander à personne, faut qu'on vienne te mettre des bâtons dans les roues ? Pourquoi c'est à toi que ça arrive ? Avec tout le respect que je te dois, tu sais que j'ai pas beaucoup dormi ces temps-ci. C'est quoi cette question ? Pourquoi c'est arrivé ? J'en sais foutre rien, je t'ai dit ce qu'il y avait... Mais toi, qu'est-ce que t'as fait ? Qu'est-ce que t'as répété cette question ? Pourquoi c'est arrivé ? Qu'est-ce qu'il y a eu ? Je t'ai dit ce qui s'était passé. Pourquoi ? Comment ça, pourquoi ? Je sais pas pourquoi. Tu ne sais pas pourquoi. Tu ne comprends même pas le sens de ton existence. T'es perdu. Et pourtant, t'as un rêve en tête. Et tu sais que réaliser ce rêve te permettrait de devenir la personne que tu dois être. Accomplir ce rêve, c'est vivre ton idéal. Mais quand tu te regardes, que tu fais un bilan de conscience sur toi-même, la réalité te rattrape. Et tu te rends compte que t'es loin, loin de cet idéal, loin de la personne que tu souhaiterais être. T'es pas aussi intelligent que tu le pensais. T'es pas aussi fort que tu le souhaiterais. T'es pas aussi bon que tu l'imaginais. Laisse tomber. T'entends même pas la question. Pourquoi tu te marres ? Ça t'amuse ? Tu trouves ça drôle ? Okay. Hein, putain, tu trouves ça drôle ? Connard. Ouais, c'est ça. C'est exactement pour ça que t'es ici. C'est pour ça que t'es ici. Ça va aller ? Ouais. Réalisez vos rêves. Croyez en vous. Ce sont des mots simples à dire. Mais la réalité, elle n'est pas simple à vivre. La réalité, c'est compliqué. C'est compliqué quand t'as mis toute ton énergie dans un projet et de voir que ça avance pas. C'est compliqué de vivre quand on te rappelle constamment tes erreurs du passé. C'est compliqué de vivre avec des regrets. C'est compliqué de vivre avec le poids de la culpabilité dans le cœur. Chaque humain est rempli de défauts. Nier tes défauts, c'est nier ton humanité. Tu ne peux pas vivre en niant ce qui est humain en toi. Tu ne peux pas vivre en niant l'enfer que tu as vécu. Tu ne peux pas vivre en niant les erreurs que tu as commises dans le passé. Tu dois tout accepter. Parce que c'est ton histoire. Fais trop dur avec toi-même, fils. On n'apprend pas tout en un jour. Tu m'entends ? Ouais, boss. Ok ? Ok ? C'est bon ? Et sur le chemin qui te mène vers tes rêves, tu t'es oublié. Tu te vois plus petit que tu ne l'es réellement. Alors n'oublie pas. N'oublie pas. N'oublie pas que t'es aussi rempli de qualités. Chaque être humain possède des qualités. Et y a pas de raison que toi t'en aies pas. Et me dis pas que tu connais pas tes qualités. Si tu ne les connais pas, t'as le devoir d'aller les chercher. Et viens pas te plaindre en me disant que tes qualités sont pas assez bonnes, qu'elles sont pas assez fortes. T'as la responsabilité de les renforcer. T'as la responsabilité de les faire grandir. Y'a personne qui peut le faire à ta place. Et ces qualités, elles débarquent pas de nulle part. Elles sont pas là par hasard. Elles sont là pour transformer ta vie. Si tu crois en tes qualités, tu transformeras ta vie. Et si tu crois en toi, tu changeras le monde. Quand tu boxes, la colère fait partie de tes armes. La
Si tu ne boxes que dans la colère, tu te vides deux fois plus vite. L'adversaire sur le ring est ton ennemi. Et si tu cherches qu'à le tuer, alors là tu t'exposes. Tu deviens vulnérable. Tu dois te protéger. Faire que ses erreurs soient sa perte. Pour l'instant, t'as deux armes. Un fusil et une grenade. De la puissance, pas de précision. Sers-toi d'une troisième arme. C'est ça, tape. Où va la haine? Voyons, où va la haine? Ah! Voilà! Tiens! Où va la haine? Où va la haine? Il est temps de faire ce que tu n'as jamais osé faire! Faire naître un meilleur toi! Tu dois accepter le changement! Tu dois accepter d'entrer dans le processus! Le processus qui va faire de toi la personne que tu dois être! Et t'as le droit d'avoir peur! T'as le droit de faire des fautes! C'est humain! Mais t'as pas le droit de retourner en arrière! Ce qui compte, ce n'est pas la manière dont tu t'éloignes de tes rêves. Ce qui compte, c'est la manière dont tu reviens. La manière dont tu fais ton comeback. Bon, maintenant, retrouve ton calme, garde ton sang-froid, sois calme. Tout le monde adore ton match. Ce match, il est à toi, il est à toi. Il t'appartient, tu m'entends? Bouge pas, bouge pas. Le bon Dieu te regarde. Ta femme te regarde. Moi, je te regarde. Et ta fille aussi te regarde. Laisse pas ce mec te dominer. Ne laisse pas te dominer! Pour moi, c'est tout simplement exceptionnel. Ce serait une nouvelle guerrière qui regarde au ventre. Tu dois avoir la rage au ventre! Utilise ta rage comme une arme! Ta rage, c'est une arme de destruction massive! Mais faut que tu la domines, parce que tous ceux qui veulent te voir tomber voudraient voir ta rage se transformer en haine. Mais la haine, elle consume les cœurs! Laisse-les consumer leur propre esprit avec leur haine! Laisse-les détruire leur cœur avec leur haine! Parce que toi, tu donnes du cœur. Toi, tu donnes du cœur quand il n'y a plus d'espoir. Toi, tu donnes du cœur pour surmonter tes épreuves. Toi, tu donnes du cœur pour frapper fort. Toi, tu donnes du cœur pour inspirer le monde. Toi, tu donnes du cœur pour changer ta vie. T'as sacrifié ton cœur pour devenir une source de motivation. Une source de motivation pour ceux qui n'en peuvent plus. Pour ceux qui n'y croient plus. Pour ceux qui n'ont plus de rêve. Montre-lui ce que t'as dans le ventre. Il est temps de le montrer. Tu sais ce que t'es? T'es un champion. Je peux le faire, ce match, c'est toi le champion. On fonce! Tu dois le faire. Y'a que toi qui peux fournir les efforts pour transformer ta vie. Tu peux le faire, t'es plus fort que ça. C'est toi qui te révélé. Ça me fait connaître. C'est toi. C'est toi le battant. C'est pas parce que l'on t'aime qu'on a le droit de penser à ta place. C'est pas parce que personne ne croit en toi que t'as pas le droit de croire en toi. C'est pas parce que personne n'y est jamais arrivé que toi tu n'y arriveras pas. Où va la haine? 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 Tu dois donner du cœur pour atteindre tes rêves. Tu dois donner du cœur pour transformer ta vie. Mais tu dois aussi donner du cœur pour les gens qui t'aiment. N'oublie pas les gens qui t'aiment.